Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver cette fois sur un vrai petit air de printemps. Le soleil s'est enfin décidé à sortir et ça fait du bien. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte des canaux et forêts du Limbourg belge et hollandais. Notre point de départ se situe à Eben Emael. J'ai sorti le gravel et on est parti pour 60 km. Bon, ça caille quand même encore un peu, mais il y a du dénivelé par ici, donc on va vite se réchauffer. On a quitté assez rapidement la route pour se retrouver ici en pleine nature. On longe actuellement la carrière du Romont. Elle est exploitée depuis les années 70 par la cimenterie CBR et on extrait ici de la craie. C'est un début de parcours comme on les aime. Ici, on est dans la montagne Saint-Pierre. C'est une réserve naturelle qui étend ses coteaux entre les vallées du Gers et de la Meuse. Alors, elle est dotée d'un microclimat qui lui permet d'avoir un biotope vraiment ici exceptionnel. On peut trouver des orchidées, des lézards, des murailles ou encore une multitude d'insectes. Et puis, je vous le dis souvent, le vélo, c'est plaisir. Regardez comme on est récompensé par ce magnifique point de vue. On a là les écluses de l'année, je vous en ai déjà parlé, elles sont à cheval sur la Belgique et les Pays-Bas vers où on se dirige. Alors c'est vraiment un lien essentiel pour les bateaux venant de Liège d'accéder au port d'Amsterdam et de Rotterdam. Et chaque année, par ces écluses, eh bien, transitent à peu près 11 millions de tonnes de marchandises. On est sur le plateau de Caster, c'est le point culminant de la montagne Saint-Pierre et c'est vraiment un endroit que j'adore parce qu'il mêle à la fois des prairies, des champs et des talus boisés. Particularité, on est à l'intersection de la Flandre, la Wallonie et les Pays-Bas. Wallonie, pour la petite histoire, qui est en train de réhabiliter la magnifique petite ferme qui date du XVIIe siècle qu'on vient de voir juste là-bas. Ouais, voilà la borne frontière, ça y est, on est aux Pays-Bas. Nous voici arrivés à Maastricht, ville du vélo par excellence. Nous sommes sur la Grand Place, la Vrijthof. C'est vraiment l'endroit idéal si vous souhaitez profiter des terrasses, prendre un petit verre et avoir les rayons du soleil qui vous caressent le visage. C'est vraiment super agréable. Admirez les églises jumelles Saint Servais et Saint Jean. Et pour les plus passionnés d'entre vous, vous aurez certainement reconnu que c'est ici, oui, qu'est donné le départ de l'Amstel Gold Race. On longe l'ancien canal Guillaume qui reliait autrefois Maastricht à la ville de Bois-le-Duc. Il était utilisé pour le commerce et l'industrie. En fait, c'était une alternative à la Meuse. Il était plus rapide. Aujourd'hui, ce sont plutôt des bateaux de plaisance que vous croiserez. Et pour les cyclistes, bien évidemment, c'est le paradis puisque les berges sont cyclables et donc pas de voiture. On peut admirer la beauté des lieux en toute tranquillité. C'est vraiment magique de rouler ici. On est dans le parc national de Haute-Campine qui est l'une des plus grandes réserves naturelles de Belgique et elle a cette particularité d'enchaîner vraiment les paysages. Il y a à la fois des forêts, des landes, des dunes et même des grands lacs. On se sent vraiment en vacances, donc n'hésitez pas à venir découvrir la multitude de chemins et d'itinéraires proposés dans cet endroit vraiment merveilleux. On profite au maximum de ce retour hyper apaisant le long du canal Albert. Mais on vous a quand même gardé une petite surprise pour la fin, une petite côte avec quelques lacets. Rien d'extravagant, je vous rassure. On met le petit braquet et c'est parti. Vous retrouvez la trace de cette balade vraiment ressourçante sur notre compte Ça Roule sur Wikiloc ainsi que sur Circuit. Là-bas, c'est gratuit. On poursuit cette émission sous le soleil et en mode festif. Vous le savez, le mois d'avril en province de Liège, c'est la fête du vélo avec le retour des classiques ardennaises. Alors nous, on s'est invités à la Flèche Wallonne. Alors non pas pour faire un focus sur les coureurs, mais sur des personnes tout aussi essentielles. Ce sont les signaleurs. C'est des bénévoles qui sont très importants, qui couvrent la sécurité de l'organisation et celle des coureurs. Donc voilà, moi je trouve que c'est des gens qui sont pas assez souvent reconnus et mis en avant. Donc c'est bien d'en parler. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement pour peut-être motiver certains à devenir signaleurs? Bah, leur dire que s'il n'y a pas de signaleurs, il n'y a plus de course. C'est malheureusement aussi simple que ça. C'est-à-dire que il faut des gens qui donnent. Dans la société d'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des gens qui se sacrifient, surtout quand on aime le vélo. Voilà. Mais là, on est au cœur de l'action et sans ce rôle-là, il n'y a tout simplement plus de course cycliste. Et justement, pour coordonner tous ces signaleurs, eh bien, il y a Nicolas Bailly. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe bien. Les signaleurs sont en place. On a plus ou moins 280 signaleurs sur l'ensemble de l'itinéraire. Qui sont mises en place par des écoles notamment et d'autres groupements de signaleurs des clubs cyclistes et des passionnés. C'est facile de trouver des signaleurs à l'heure actuelle? Ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce que les passionnés vieillissent et il n'y a pas de relève. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les écoles provinciales notamment, qui nous mettent 200 signaleurs, eux, sur l'ensemble de la course en comparaison à avant où il y en avait beaucoup moins. Alors justement, être signaleur, est-ce que ça peut s'improviser par exemple? On essaye de les former via la police fédérale avec des petits briefings ou des PDF et des PowerPoint qu'on vient leur expliquer, soit dans les écoles, soit pour les clubs de passionnés, c'est plus simple parce qu'ils font ça depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années pour certains. Et voilà, c'est plus simple pour les passionnés que pour les écoles. Mais les écoles s'en sortent très bien, on fait ça depuis une dizaine d'années avec eux et ça se passe toujours très bien. L'exploit des uns, la passion des autres. Bonjour. Ça va, tout se passe bien? Oui. Vous êtes bien en place? Oui, oui. Ça va. Super. Un grand merci. Merci à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Quand on est signaleur, c'est quoi la tenue? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui se passe? Bah, donc on a un petit panneau C3, un petit brassard signaleur et une chasuble pour qu'on soit bien visible. Donc le panneau C3 donc, pour interdire la circulation et le brassard signaleur pour qu'on soit reconnaissable. Alors c'est la première fois que tu le fais ou pas du tout? Non, on a fait d'autres courses ici, on a fait les 4 km de Liège dimanche dernier, on a fait une autre course cycliste début d'année et on fait encore Liège-Bastogne-Liège. Allez, les coureurs viennent de démarrer. Brandon, c'est ta première expérience en tant que signaleur, alors comment ça s'est passé? Ah, ça se passe très bien, je suis content d'être ici, c'est une bonne responsabilité et je suis prêt. Qu'as-tu pensé du peloton là qui est en train de passer? Incroyable, vraiment, c'était bien. Une belle expérience? Oui, très belle expérience. Et voilà. Et on retrouve Jean-François sur le bord de la route. Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour. Alors vous venez, vous, carrément de Charleroi? Nous venons de Charleroi, oui, de Fleurus exactement. Alors, ça fait longtemps que vous êtes signaleur? Ça fait 20 ans. Pour tout ce qui est carnaval, on a plusieurs activités. Tout ce qui est carnaval, vélo, jogging, marathon, une bonne panoplie. Du coup, un vrai passionné, quel est le dispositif ici sur la Flèche? Ici sur la Flèche, nous sommes 20 signaleurs, dont 2 motards, parce que nous avons une équipe de motos qui nous accompagne quand nous sommes en manque dans le groupe, qui nous accompagne aussi qu'on place à des carrefours et ainsi de suite. passage de la 24, vous bloquez complètement. Donc dans le sortie, il ne peut plus... Ceux qui viennent de là, vous fermez, et la 24, vous bloquez. Comment ça se passe avec les automobilistes? Ça, c'est le gros souci. Hein. Maintenant, le problème, c'est que les gens n'ont plus de respect envers nous, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on les embête dans leur route, dans leur routine. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un gros problème, quoi. Vous avez déjà eu des ennuis? On s'est déjà arrivé aux mains, quoi. Oui, oui, quand même. Ouais. Carrément aux mains? Carrément aux mains, parce qu'ils ne comprennent pas, ils descendent de leur voiture, on se fait insulter. C'est le problème de maintenant, c'est ça le problème. On est quand même défrayé ou pas? On a un petit défrayement, du point de vue kilomètre, parce que ça, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de kilomètres à faire. Et alors, on a un petit quelque chose en plus, quoi. Vous avez le temps de regarder la course? Ça va très vite, on n'a vraiment pas le temps. Alors Jean-François, comment ça s'est passé pour votre équipe? Très bien, pas eu de soucis, ils sont tous contents. Maintenant on repart sur Charleroi. Et vous reviendrez? On revient dimanche sur le Liège-Bastogne-Liège. Ah bah, au plaisir alors. Merci à vous aussi. On termine bien évidemment dans le célèbre mur de Huy où il y a juste une ambiance de dingue, que du plaisir et des sourires. Et on l'aura compris, c'est grâce aussi donc aux signaleurs. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous renseigner. Et sinon, quoi qu'il arrive, soyez courtois avec eux. Vive le vélo et que ça roule pour vous. À très vite.